Alicia dit au revoir à ses parents et fait semblant d'aller se coucher. À la nuit tombée, elle part sans faire de bruit et vole jusqu'au dragon. Elle se bat contre lui courageusement. Et boum! Elle rentre alors le matin, juste avant que ses parents ne se réveillent. Allez, il est l'heure de faire un gros dodo, mon cœur. Dors bien. Bonjour. Hé, la poubelle. Tu t'es encore habillé en clodo. Oh, Axel, on tire pas la langue. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Tu trouves ça drôle, la clodo? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es fait ça? Axel, réponds-moi s'il te plaît. Qui t'a fait ça? On t'a embêté? Non mais attendez, on marche sur la tête là, c'est pas la question. Regardez l'état de ma fille. Vous auriez pu m'appeler. Enfin, je suis pas présente dans la cour de récréation avec eux, moi monsieur. J'ai 40 gamins, j'irai tous les jours. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? C'est un petit peu votre travail quand même, non? Bon, je garderai un œil sur elle. Oui, bah j'espère bien. Axel, il faut me le dire si on t'embête. C'est beau ce que tu chantes. Mais tu dois être si triste tout seul dans ta cage. Tu aimes bien les oiseaux? Eh bien, tu peux venir le voir quand tu veux. On vole du pain maintenant. J'y pense à toi toute la journée, regarde. Tu sais, moi aussi je suis toute seule. Les autres se moquent de moi. J'essaye de pas les écouter, mais j'y arrive pas. Tu as sûrement dû voir des dragons, toi. Tu vois cet oiseau, avec sa belle couleur rouge dragon? C'est un cardinal rouge. Certains disent que c'est un messager du ciel et qu'il vient annoncer une bonne nouvelle ou redonner de l'espoir à celui qui n'en a plus. Je veux garder l'oiseau. Axel, arrête d'embêter le voisin. Oh, mais non, monsieur le butin, c'est rien. C'est un plaisir de recevoir Axel. Viens le garder un peu, si tu veux. Chut.
Entre, Axel. Fais comme chez toi. C'est décidé. Je vais tout dire à papa. Qui va saluer l'oiseau dragon pour moi. Alors, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui ? J'ai mes origami et puis j'ai fini la queue de mon chat. Ça, je me souviens plus comment on va faire. Il faudra que tu me le montres, hein. Ouais, attends. Et puis, on mange quoi ce soir? Je sais pas, laisse-moi réfléchir. Une soupe d'araignée gluante? Oh, non, mais bon. Sérieux, papa, on mange quoi? Bon, alors, qu'est-ce que tu dirais si je te proposais pâte carbonara? Ah ouais, trop bien, et on le prépare ensemble. Ah bah oui, mais j'espère bien, hein.